Départ à Carpe. Ouais. Là il est quelle heure? Je crois que c'est 7h ou un truc. Non, il doit être 6h là. Ouais. Parce que premier départ il est à 5h30. Ouais, tu veux. Et puis. Alors première carte? Ouais, première carte peut-être. Je vais voir il est quelle heure. Je prends ton téléphone là, vite fait. Voilà, il est 6h13. Je dois être belle quand même. Hein. Oh, je me mets sur les chaises. Mais je peux pas, moi. Bah non, mets-toi pas sur les chaises. J'ai de la petite ou de la grosse? Bon, quand même, à beau morceau parce que elle m'a pris du fil et elle revient pas. Elle reste au large. Une méthode filaire? Ouais, méthode. Avec un petit peu les alibutes ou fraise? Toujours fraise. J'ai tout mis à la fraise. T'as tout mis à la fraise. Ouais, tu pourras préparer tes bottes après. Mmh. Oh, c'est une belle carte. Hein. La canne, elle part. On va prendre l'épuisette. Hein. Hein? C'est à quoi là celle-là? Parce que même la 9 kg était déjà revenue au bord. Hein. Elle me prenait plus de kilos large. Hein. Elle part, faut remonter celle-là, Val. Je vais remonter? Ouais, ouais, remonte la. Donc on va ah, couper. Non, non, c'est bon. Je pense que ça va aller. Elle passe au-dessus. Avec la canne qui a subi les 9 kilos. Le fil il va pas tenir. Si, bah, ce combat là, mais faudra que tu changes. Ouais. Elle part, elle revient, elle part. Donc voilà, avant-hier, première carte pour moi. Ouais, 9 kilos. 9 kilos au jet d'eau. Ouais. Ça doit être de la 8 ça. C'est quoi, ben, c'est comme un colosse. Hein. Regarde ton anneau là-bas. C'est peut-être ça qui gêne. Non, 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 ça peut pas rien avoir. C'est pas ce que l'anneau il y a. Double départ. Double départ. Ah, t'as la vidéo. Laisse-la partir, tu vas casser direct. On va couper. Donc voilà, la mienne vient de casser. Le lameçon vient de casser. Donc Valentin est toujours en plat combat. Donc en espérant qu'il la remonte. Oula. Ah si, elle doit être belle hein, celle-là. Elle doit être belle. Donc voilà, dommage pour moi, c'est pas grave. J'espère ne repiquer une autre. Là, je vais mettre mes bottes pour la chercher à l'eau, je pense. Hein Val? Tire pas dessus hein. Tire pas trop. Donc un bon début de pêche pour l'instant. Dommage que je casse moi, mais bon, ça arrive. L'hameçon, il y avait déjà un combat de 9 kg dans les dents. C'est un hameçon de 14. Donc quand t'entends ce bruit là, c'est que ça travaille, hein, Val. Donc j'explique mon montage. Après bah ouais, vas-y explique. Donc mon montage, c'est un clip long avec un plan de 70 avec un bas de ligne en 13, résistance 6 kg. Mon fil c'est du 30 centièmes ou 35. 30 centièmes pour une résistance de 6 kg. Mon hameçon de 6 avec un pelé ouais. Avec un On filme tout le combat ou quoi? Comme tu veux, hein, après. Ouais, elle travaille bien. Parce qu'en fait, là, je crois on va pas filmer tout le combat, comme ça j'ai bien rentré dans l'eau à la chercher. Hein? Bah, attends, vite fait 2 minutes. Mais toi, tu tires trop là.
Là c'est bon, là, tout le temps qu'elle tire pas, tu sens pas des gros coups de tête, elle va pas partir, c'est bon. Ah voilà. Alors par rapport à un combat au G2, ça fait quoi? Ça change ou quoi? Ouais. C'est plus relatif ici, hein. Bah déjà, ma carpe était pas prise. Attends, voilà. Ouais, je pense. Bon allez, je vais rentrer dans l'eau. Bon, on vous reprend après. Donc voilà, je vais la sortir de l'eau. Voilà, on va peser ma carpe. Romain va la peser. On la remet à l'eau. Ouais. Tiens, on met. Je vais la remettre. Tiens. Une forme fuselée, hein. Petite torpille. Oh. T'as entendu le bruit? Ouais, elle est repartie. Donc voilà, première carpe de la session. On espère n'en repiquer encore. Dommage que moi je casse la mienne. Ouais, ça aurait fait un double. Ça aurait fait un doublé, là ça aurait fait bien. Donc voilà. Donc 8 carpes de sortie cette année. 8 carpes.